Bonjour, je m'appelle Christina Tessier et je suis la présidente directrice générale d'Ingenium, Musée des sciences et de l'innovation du Canada. Dans quelques minutes, j'annoncerai les 5 lauréats du prix Horizon STIAM Ingenium CRSNG de cette année. Cette cérémonie de remise des prix est virtuelle cette année, en raison des restrictions de voyage et de rassemblement dues à la COVID-19. Les 5 jeunes que vous rencontrerez ce matin excellent dans un ou plusieurs des domaines de STIAM, sciences, technologie, ingénierie, arts ou mathématiques. Ils commencent tout juste à s'engager dans la voie qu'ils ont choisie pour aider à façonner un monde meilleur et sont prêts à donner au suivant. Grâce à leur étude et à leur travail au sein de STIAM, ils obtiendront des résultats qui nous aideront tous. Voici maintenant les lauréats des prix Horizon STIAM de cette année, présentés par le CRSNG Ingenium. Il s'agit de Nicolas Flowers de Hopedale, Nunatsiavut, Terre-Neuve-et-Labrador, Sasan Hader d'Oakville, Ontario, Angéline Lafleur d'Ottawa, Ontario, Katia Garreau-Jones de Sudbury, Ontario, et Anjali Narantiran de Toronto, Ontario. Au nom de nos commanditaires et de nous tous à Ingenium, félicitations aux lauréats des prix Horizon STIAM Ingenium CRSNG. Vous êtes un groupe de jeunes Canadiens extraordinaires. Mon rêve est de créer ma propre entreprise sur la résolution de certains des plus grands problèmes du monde, principalement dans les domaines de la santé et de la médecine. Pour les 4 prochaines années, je vais faire de la recherche médicale et j'irai probablement à l'Université de McMaster ou l'Université Queen's. Je suis en train de fonder Tech Explore à l'école secondaire, une jeune entreprise qui a aidé plus d'un millier d'enfants canadiens à s'intéresser à l'éducation technologique à un jeune âge. Je me suis rendu compte que j'ai une passion pour l'entrepreneuriat et j'aime l'associer aux technologies pour créer des choses qui aident les gens. Il y a beaucoup de problèmes que je vois en lisant des livres sur l'histoire et tout. Je veux donc continuer à résoudre ce genre de problèmes en utilisant l'entrepreneuriat et les technologies. Et je suis très enthousiaste à l'idée de poursuivre l'esprit d'entreprise de cette manière. Mon objectif est de devenir chercheuse en informatique quantique, car le Canada est un leader dans ce domaine, et j'ai le sentiment que l'informatique quantique englobe vraiment tous les différents aspects des domaines de STIAM. Ce serait un excellent moyen d'aider à la contribution du Canada à cette technologie de pointe. Donc, pour ce faire, je vais poursuivre le programme de double bac en physique et génie électrique à l'Université d'Ottawa pour ensuite faire des études supérieures en informatique quantique directement. Aussi, j'aimerais continuer à redonner à ma collectivité en étant une mentor et modèle pour les filles intéressées au domaine de STIAM, comme je l'ai fait pendant mes études secondaires, pour vraiment poursuivre cette action et l'amener à un niveau supérieur pendant mes études postsecondaires. J'ai accepté l'offre du Cambrian College pour y étudier au programme de technologie en génie civil à l'automne prochain. Après 3 ans, je poursuivrai mes études pour devenir ingénieur de structure à l'Université Lakehead de Thunder Bay. En tant qu'ingénieur de structure, je peux garantir des bâtiments durables et écologiques qui n'utilisent que de l'énergie propre et abordable afin d'aider à lutter contre le changement climatique. À l'université, j'ai l'intention d'obtenir un diplôme en sciences de l'environnement. J'ai toujours été passionnée par la nature. Je pense que l'une des choses les plus importantes que je puisse faire à l'avenir est de redonner à la nature. Une fois que j'aurai étudié les sciences de l'environnement, je veux absolument étudier des alternatives aux énergies renouvelables. Et s'il y a un moyen de redonner à ma collectivité à la fin de mes études, je ferai de mon mieux et je ferai certainement de mon mieux pour apprendre quelles sont les solutions de rechange pour des énergies renouvelables et comment elles peuvent lutter contre le changement climatique. Aujourd'hui, les prix Horizon STIAM célèbrent les réalisations inspirantes de 5 jeunes Canadiens. C'est un grand honneur pour moi d'en faire partie et d'exprimer mon admiration envers vous tous. Vous êtes des modèles d'engagement et de solidarité et vous nous rendez fiers. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, au nom du CRSNG, permettez-moi de vous féliciter. Chacun d'entre vous a réalisé des choses vraiment remarquables en peu de temps, et j'ai hâte de voir ce que vous réaliserez à l'avenir. Tout d'abord, permettez-moi de dire à quel point il est incroyablement inspirant d'entendre tous nos lauréats aujourd'hui. Félicitations! Je sens que l'avenir est très brillant avec vous tous qui mènent la charge. Alors, bravo! Je suis absolument ravie de participer à cet événement aujourd'hui, et je vous félicite pour vos prix.
Je suis éblouie de voir tout ce que vous avez accompli au cours des derniers mois, en tirant profit de votre temps à la maison. Bonjour et félicitations à tous ces étudiants extraordinaires. Je suis ravie de me joindre à vous aujourd'hui et à tous les partenaires qui sont ici pour vous encourager. Je suis PDG d'Inspire, un organisme qui comprend les défis auxquels les étudiants sont confrontés. En tant qu'organisme de bienfaisance nationale, nous soutenons chaque jour des étudiants des Premières Nations, Inuits et Métis, en leur octroyant des bourses afin qu'ils puissent poursuivre leurs études. À bien des égards, nos étudiants sont souvent la première personne de leur famille ou de leur collectivité à faire des études postsecondaires. Nous comprenons les défis que vous avez tous relevés et que vous surmontez chaque jour. Alors, bravo! Votre leadership enrichira grandement le Canada. Comme tous nos autres partenaires, je tiens à vous féliciter pour avoir remporté un prix Horizon STIAM 2020. C'est merveilleux de voir les lauréats des prix de l'année dernière se joindre à nous aujourd'hui. C'est incroyable d'apprendre tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Quel groupe incroyable de gagnants! Je suis toujours étonnée par tout ce que les gens de votre âge ont fait. Je pense que c'est Lorraine qui a dit que nous sommes entre de bonnes mains pour notre avenir, sachant que vous serez nos futurs leaders. Encore une fois, toutes nos félicitations aux lauréats du prix Horizon STIAM Ingenium CRSNG de cette année. Merci de vous être joints à nous. Nous espérons vous revoir l'année prochaine. Merci et bonne journée.